sommes, les tunnels de lave. Parfait, commençons. Ah, je ne vois aucune trace de lave. C'est parce qu'elle se trouve plus en profondeur. La lave en fusion se répand dans les fonds marins. Quand elle sèche, elle forme des grottes, comme celle-là. On les appelle des tunnels de lave. Leurs parois peuvent être très très chaudes. Chaudes comment? C'est ce que nous devons découvrir, Shellington. Nous allons nous servir de ces thermomètres spéciaux pour mesurer la température. Car entrer dans un tunnel de lave est très dangereux. Nous allons donc vérifier de l'extérieur comme ceci. Oh, celui-là est particulièrement chaud. C'est fascinant. J'utilise souvent un thermomètre pour prendre la température de mes patients. Ça va être facile. Surtout, soyez très prudents et attention aux chutes de pierre et aux jets de vapeur bouillante. Tout de même plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Hé, hey, mon vieux, ça va? Qui a dit ça? C'est moi, je suis en bas. Oh? Oh? Je m'appelle Franck, et toi? Pesso? Pesso? On t'a entendu crier, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va, mais j'ai trouvé une pierre qui parle. Je crois que la chaleur lui est montée à la tête, capitaine. Salut les gars, je m'appelle Franck. Oh, mais qu'est-ce que... C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tu vois? Franck n'est pas une pierre, c'est un ourson d'eau. Comment ça va? Les oursons d'eau sont de minuscules animaux qui vivent partout sur la planète. C'est vrai. Dans les océans, les forêts, les montagnes enneigées, nous pouvons vivre partout. Mon oncle Gary est même allé dans l'espace. Mais tu es si petit. On est peut-être petit, mais résistant. Et il faut l'être pour vivre ici, au milieu de ces tunnels de lave, ces gros rochers et ces jets de vapeur. Wow! Franck! Le tunnel de lave! Nous devons déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Son dos est tombé dans un tunnel de lave en fusion. Nous devons le sortir de là au plus vite. Capitaine, explorer un tunnel de lave est extrêmement dangereux. On ne peut jamais prévoir quand il y aura une éruption. Il va donc falloir trouver un moyen pour inspecter l'intérieur du tunnel. Cassie? À vos ordres, capitaine. Cette caméra unifugée va nous permettre de voir l'intérieur du tunnel. Regardez, c'est un vrai four. J'espère que Franck ne souffre pas trop de la chaleur. Cassie, juste à droite. La pierre de Franck. Est-ce que tu peux la récupérer? J'essaye. Doucement, doucement. La chaleur a endommagé la caméra. Je l'ai presque attrapée. Pas vrai! Oh non! Il fait trop chaud à l'intérieur! Dans ce cas, il va falloir aller chercher Franck nous-mêmes! Il est impossible de nager dans un tunnel de lave! Il y fait aussi chaud que dans une fournaise! C'est pourquoi j'ai apporté ceci! Des combinaisons anti-chaleur! Elles vous protégeront de la chaleur et les octojumelles vous aideront à retrouver Franck! Si nous suivons le câble de la caméra, ça devrait nous conduire jusqu'à lui! Tout ça ne me dit rien qui vaille. Capitaine, il y a un mouvement anormal de lave juste en dessous de la grotte. Elle peut jaillir sur vous à tout moment. Il faut trouver Franck très vite. Oh, 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 à plat ventre. Ah, j'ai bien cru que la grotte tout entière allait s'effondrer. Je ne vois plus rien. Regardez, la caméra. Elle est juste là, devant nous. Vas-y.
Oh, d'accord. Ces octojumelles sont vraiment puissantes, pas vrai, capitaine? Regardez, c'est la pierre de Franck. Franck? Il n'est pas là. Oh non! Pesso, mon vieux, par ici. Franck, tout va bien? On est là pour... te sauver. C'est plutôt cool par ici, tu trouves pas? Je me suis fait pas mal d'amis sympas. Lui, c'est Joe. Salut. Eddie. Comment ça va? La petite Laverne. Salut. Et lui, c'est le vieux Poppy. Bien le bonjour. Tu veux dire que les oursons d'eau peuvent vivre dans les tunnels de lave? Oui. Évidemment. Mais vous n'avez pas trop chaud, Moussaillon? Je t'ai dit qu'on était résistants. Un peu de chaleur ne nous gêne pas. Capitaine, le tunnel de lave va entrer en éruption. Rentrons tout de suite, Cassie. Vous devriez venir avec nous. Non, ça va aller. On aime bien la chaleur. Ouais, on aime bien la chaleur. Plus c'est chaud, mieux c'est. On est heureux quand c'est chaud. Mais toute la grotte va être engloutie sous la lave. Pas de problème, on y sera très bien, je t'assure. Attends une minute, tu as dit lave? Oh, courez, sauvez-vous! Oh, il faut partir! Vite. Allez, allez! Vite. Avec nos petites pattes, on va pas très vite. Par ici! Montez! Excellente idée! Allez, c'est parti! Ça, c'est du service! Il est rapide! En route pour une excursion! Je me trompe ou il fait de plus en plus chaud? Miaou! La lave! Il faut se dépêcher! Oh, ce serait tout de même beaucoup plus facile si j'étais plus grand et plus rapide! Allons, Pesso! Mon oncle Gary me disait toujours: peu importe que tu sois grand ou que tu sois rapide, le tout c'est d'être résistant! Comment peux-tu t'endormir dans un moment pareil? Nous, les oursons d'eau, quand on a vraiment chaud, on dort jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Tu vois ce que je veux dire? Encore un dernier petit effort! Attention! Ça va? Tout va bien? Je crois que oui. Les oursons d'eau? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Oh, ça va. Pas mieux. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Bien, alors allons-y. Attendez, où est Franck? Il était là il y a une minute. Hé, hey, Franck! Franck, où es-tu? Il est sûrement tombé. Il n'est pas là. Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans la lave. Il est de l'autre côté de ces rochers. Il n'est pas question de l'abandonner. Ne t'inquiète pas, Pesso. On va trouver le moyen de les déplacer. Mais il faut faire vite. Vous permettez, capitaine? À vous. Je peux voir l'autre côté. De vous doit y aller à la nage. Le passage est trop étroit pour moi. Mais il est juste à la bonne taille pour moi. C'est à toi de jouer, Pesso. Tiens bon, je viens te sauver, Franck. Franck, où es-tu? Où peut-il bien être? Franck, c'est toi? Franck! Oui, je t'ai retrouvé! Nom d'une nageoire! Pesso, dépêche-toi! J'ai reparti pour une promenade! Je te tiens, mon seigneur! Allons-y! Obtenante, enfonce! C'était vraiment moi une. Hey, on est sorti. J'ai loupé quelque chose? On a tous réussi à sortir du tunnel de lave sains et saufs. Ça c'est vrai. Et pour cela, on peut tous remercier Pesso. Pesso, quel tempo! Je savais que tu l'avais en toi, l'ami. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus rapide, mais je suis le plus résistant. Ça oui, tu l'es. Tu es même plus résistant que mon oncle Gary. C'est le pingouin le plus résistant que je connaisse. Et notre ami. Par mes moustaches.
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose... Comme ça? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington? Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé! C'est un siphonophore géant. Un sino-quoi, tu dis? Un siphonophore géant! Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface... Il éclate! Oh non! Pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera! Nom d'une nageoire! Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ses tentacules? Oh, il s'en va! Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le gup E et surtout... Soyez prudent! Oh! Oh, excuse-moi, je suis très pressée. Pardon, faut que je me dépêche. Twig, ouvre l'octo... Écoutille, c'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la paille. Doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Mais s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeurs bouillantes. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. La créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geyser. Je me dirige vers quoi, capitaine? Au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au gup C. À vos ordres, capitaine. Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Maintenant. Oh, quelque chose s'est accroché. Vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant siphonophore. Nous sommes les siphonophores géants. Hein? Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon corps est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets. Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La rate, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez!
Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leurs dards les pénètrent. Ah ah, vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles. Ah ah, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière. Crochet. Dard. À table. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc. Siphonné fort. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Un autre geyser. Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici. Oh, 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 on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser. Par mes moustaches, on est en train de monter. Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser. Oui, pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée, allez-y. Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le cup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi. Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Capitaine! Le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule. Il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Varna, Clatwick. Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twig. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis! Oui, capitaine! On n'a pas vraiment le choix! Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille! Erreur, autant. Oh, très bien joué. Super, super. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Oh, je crois que je vais être... Oh, malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique, on va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine. Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gup C vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer. Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une, quand même. Oh, mes tentacules sont tout emmêlés. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Oh, wow, c'est incroyable. C'est magnifique, un siphonophore. Tu l'as dit. Vous êtes tous prêts? Crochet, dard...